Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre ce lundi 19 juin 2023. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel à partir de ce lundi et toute la semaine qui suit ce lundi 19 juin 2023? La semaine débute avec la condition solaire, le soleil qui amorce ce lundi à 28 degrés des Gémeaux, donc mes signes d'air, profitez de ces derniers jours d'influence solaire particulièrement protecteur, protectrice, parce qu'à partir de mercredi 21 à 15h en temps sidéral, c'est-à-dire 17h ici chez nous, eh bien, le soleil quittera les Gémeaux pour entrer dans le signe du cancer. Il y a un changement, comme tous les mois, du soleil vu de la Terre qui change de séquence, quoi, hein, toujours pareil, c'est cyclique en fait. Et donc, alors prenons le gros morceau dans l'ordre, à commencer par le soleil, parce que ça va impacter vraiment beaucoup d'entre nous. Jusqu'à mercredi 21 juin 17h. Voilà, ça laisse pas mal, un petit peu de temps, surtout si vous voyez l'horoscope en amont. Les énergies solaires, positives, chaleur, optimisme, confiance en soi, vitalité, protègent, sont bons, soutiennent, mais Gémeaux, anniversaire, troisième décan, mais également mes autres signes d'air comme ma Balance et mes Verseaux, mais également lorsqu'une planète est en Gémeaux, elle veut du bien à ceux qui, vous le savez maintenant par cœur, sont à 60 degrés en amont et en aval, à savoir mes béliers et mes lions, vous cinq, jusqu'à mercredi 17h. Mais alors, mais profitez-en pour avancer, concrétiser, finaliser, prendre en main, être dynamique, tonique, positif, constructif, exprimer cette chaleur, cet enthousiasme communicatif qui ne demande qu'à être en transmission, transmis, partagé, hein, voilà, c'est très bon. Voilà ce qu'il faut retenir pour faire simple pour vous cinq. Et à partir de mercredi 17h, changement de cap. Ah! J'ai régulièrement des petits messages dans lesquels on me dit: mais Jean-Yves, et nous, ça fait des lustres, j'ai rien, j'ai pas d'aspect. Déjà, ce n'est pas vrai, parce qu'il y a systématiquement des planètes qui évoluent dans tous les secteurs, donc il y a obligatoirement un truc sur lequel on peut s'appuyer, puiser pour bénéficier d'une énergie positive, quelle qu'elle soit, il y a toujours un truc. Et puis, c'est au tour des signes d'eau, effectivement, hein, parce que j'ai des petites remarques, signes d'eau qui me disent: moi, ça fait longtemps. Eh bien, c'est votre tour. À partir de mercredi soir, donc 17h, le soleil entre en cancer pour un mois. C'est votre tour, mes signes d'eau. Ça y est, ça vient. Excellent en matière de vitalité, de confiance en soi. C'est votre tour. Chaleur, communication, davantage d'assurance, de secondarité, de moins de connexions stressantes, on va dire, tout simplement, pour mes cancers, mes poissons, mes scorpions et les signes qui sont en amont, en aval, toujours pareil, à 60 degrés du secteur du cancer, qui sont, vous les connaissez maintenant, mes taureaux et mes vierges. Vous cinq, on rentre pendant un mois dans une période où l'astre solaire veut du bien. C'est mécanique, très clair, et c'est rituel en plus. Tous les ans, ces séquences-là sont des séquences qui vous protègent plus, sous couvert, toujours sous réserve, un, du contexte de vie, et deux, de savoir s'il n'y a pas un gros machin dans le ciel en parallèle qui lui est contrariant. Mais là, a priori, ça ne me semble pas être le cas de manière prioritaire. Donc très très bon pour vous, chacun son tour. Ah, on vient d'en faire 10 d'un coup. Bon, après, en parallèle, j'ai également Mercure la communication. Mercure la communication, ça va être le gros morceau. Là-dessus, je vais être un peu insistant. Pourquoi? Parce que ce lundi, Mercure démarre la semaine à 14 degrés des Gémeaux, donc en gros 14-15 degrés en plein milieu des Gémeaux. Or, deux observations. La première, Mercure en plein cœur d'un signe, il est bien évidemment plutonique parce qu'il est clair au max. Deux, Mercure en Gémeaux, il est particulièrement à son aise dans ce secteur-là. Je suis assez redondant sur le sujet. Il y a deux endroits où Mercure cultive les talents les plus aigus, les plus pointus, dont il est capable de faire preuve, tout simplement, en matière de facilité, de communication, d'aisance, de fluidité, d'assurance, d'enchaînement des idées, de finesse, d'assimilation, d'écoute, de synchronisation. C'est le boulot de Mercure. Mi-Gémeaux, il est au maximum de son intensité possible. Donc, il va apporter ce qui se fait de mieux dans le genre pour faire passer des messages, pour être finaux, subtils, adroits, intelligents, adaptables. Voilà, la liste est trop longue, je ne vais pas vous la faire maintenant. Je ne l'ai plus en tête, hein, mais vraiment, le panel est large de tout ce qui nous permet de nous relier. Donc, très, mais alors très, très bon, hein. Pour mes Gémeaux, pour mes signes d'air, pour mes Balances, pour mes Verseaux, et également ceux qui sont à 60 en amont, en aval, toujours les mêmes. Avant mes Gémeaux, j'ai mes Béliers et mes Lions. C'est pas mal, hein. Vous cinq là, waouh,
profitez-en. Hein, Mercure, il avance vite, hein, justement parce qu'il est rapide, comme l'esprit qui l'accompagne, que c'est le moment de faire passer le message et de vous synchroniser avec tout ce qui bouge, de clarifier ce qu'il nécessite. Et j'aurai un petit exercice à vous proposer à la fin des vidéos. Ça, c'était pour Mercure. Après, les deux suivantes, c'est Vénus, la vie amoureuse, et Mars, l'action, la volonté. De fameuses retrouches les manches, ça a toujours retroussé, hein. Sauf en hiver, il n'y a pas trop de choix, il caille, mais sinon c'est plutôt comme ça mon état d'esprit. Donc, Vénus l'amour, Mars l'action, tous les deux sont en Lion, ça rime. Vénus 12 degrés, Mars 17 degrés, ils se réunissent doucement, ça vient doucement, Vénus l'amour, les élans, le charisme. Associons, vous allez voir comme c'est simple et logique en fait. Vénus, c'est le charme, Vénus, c'est la douceur, Vénus, c'est l'affection. C'est un panel assez large d'éléments favorisant, facilitant, arrondissant, réunissant. Enfin bon, tout ce qui nous permet de nous connecter avec de la rondeur et de la douceur, avec le minima d'aspérité, c'est le boulot de Vénus. Claire. Donc, quand Vénus est en Lion, elle y gagne une sorte de coloration solarisante, si on peut dire. Donc, on va davantage être apte, pour ceux qui sont concernés, je sens les oreilles qui se dressent, pour bénéficier d'un charisme au maximum. Hein. Vénus, l'amour, en Lion, chaleur, expansion. Donc, mes lions, vous êtes gâtés, je vous ai dit, jusqu'en octobre. Hein, je ne veux entendre que des choses positives venant de vous, mes lions. Avec Vénus sur votre tête, en ce moment, le charme, ça marche très très bien. Mais également pour mes béliers, mes autres signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, charme au max. Vraiment au maximum. Essayez, tentez, ouvrez-vous, soyez, extériorisez-vous, communiquez, souriez, positivez, allez vers les autres. Écoutez, des périodes comme ça, ça passe pas tous les 4 matins. Si vous me loupez le coup, venez pas vous plaindre. Hein. Vraiment, c'est sympa là, en ce moment. Les planètes sont très très belles pour vous. Excellent, donc je disais, en matière de charme et de charisme et tout ce qui touche la vie amoureuse, affective, les rapprochements, Bélier, Lion, Sagittaire, mais également les deux signes à 60 degrés en amont, en aval, à partir de qui de mon Lion, mes Gémeaux et mes Balances. Vous cinq, waouh! Vraiment, je vous assure, vous n'êtes pas à plaindre. De ce côté-là, en tout cas. Le contexte de vie, prime. Ne restez pas enfermé. Allez vers l'extérieur. C'est vraiment la base de tout. L'action prime tout. Et justement, si on évoque l'action, ça tombe bien, parce que Mars, l'élément moteur d'un thème, et l'élément moteur dans sa globalité, hein, l'élément déclencheur, celui qui avance, est également en Lion et très proche de cette position de Vénus. Lui, il est à 17 degrés, donc il vient de passer la moitié du signe, mais il est encore très très influent dans cette position-là. Passons. C'est une connexion qui réveille la passion. Pourquoi ? Parce que Vénus, l'amour, Mars, la volonté, le désir, la liaison des deux, la proximité des deux, ils sont à 5 degrés tous les deux, puis ils vont aller en se rapprochant dans les jours qui viennent. C'est en général l'indice d'un élan, d'une dynamique, d'un élément déclencheur, de quelque chose qui ne demande qu'à se mettre en place. Car s'il manque la petite impulsion, s'il manque la petite démarche, quoi, le petit effort, de prendre sur soi, de s'ouvrir, d'aller faire ce qu'il faut pour que ça se passe bien, quoi. Parfois c'est tout bête. Envoyez des bonnes énergies, en général, si en face, vous avez un terrain qui n'est pas farouchement opposé aux bonnes énergies, ça passe, on est reçu, hein, sans en faire trop, sans être dans la tension. Attention, c'est pour ça que je dis, faites toujours attention, vous, mes Vénus qui ont des colorations martiennes, hein, typiquement les Vénus Bélier, Vénus Scorpion, Vénus Capricorne, à ne pas confondre amour et combat, parce que c'est antinomique. Hein. Lorsque Vénus est aussi belle qu'elle l'est en ce moment, profitez de cette influence pour être chaleureux, généreux, rayonnant, bienveillant. C'est ça la coloration du ciel collectivement et plus impactant, on l'a vu, pour Bélier, Lion, Sagittaire et également pour Gémeaux et Balance. Vous cinq, d'être gâtés, profitez-en. Et puis, pas que. Il y en a pour tous. Alors, il y a également toujours quelque chose de très, très, très constructif pour mes signes de terre. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours Jupiter en terre, la bonne blague. Jupiter, il est heureux dans le signe parce qu'il aime concrétiser, il aime fixer, il aime réaliser, il aime avoir un cap, un objectif précis, pratique, pragmatique et concret, tout simplement. Et ce Jupiter en taureau, là, il arrive à 7 degrés du signe. On sait qu'il sera en taureau jusqu'en mai 2024, donc vous avez encore le temps, mes signes de terre. Il vous permet de vous proposer un cap le plus carré, concret possible pour avancer dans vos projets large spectre.
Alors effectivement, plus c'est pratique, mieux c'est, mais on peut compter sur une sorte de bonne étoile en toile de fond, mais vraiment pour toute l'année. Après, il y a des variables, hein, mais en toile de fond, il y a ça. Pour mes taureaux, bien sûr, la bonne blague, Jupiter chez vous, moi, j'adore, hein, je l'attends, hein, moi, il sera chez moi dans 4 ans, donc chacun son tour. Mais excellent également pour mes vierges, également pour mes capricornes, également pour mes poissons et mes cancers. Chance! Et puis, comme Uranus n'est pas loin, nouveauté, changement d'angle. Hein, toujours essayer de voir s'il y a une situation qui coince, s'il y a un obstacle, tac, on fait le tour. Hein, on ne s'acharne pas, on ne me la joue pas entêté dans une situation qui bloque. Ça ne sert à rien si ça a bloqué pendant des lustres. Parfois, il faut des réajustements, des réglages, il faut fonctionner différemment, aborder des situations avec un angle dans lequel on va induire une variable, un élément différent. Et de cette façon-là, ça va décanter. Tac, tac, ça crée l'élément déclencheur qui fait que ça fait bouger les lignes. Et on continue d'aller de l'avant dans ces conditions-là, une fois qu'on a passé ce qui vous bloquait, hein, le fil à la patte, la contrainte, ce qui vous semblait être une opposition pendant longtemps, à un moment ça se débloque, ben là ça peut être l'opportunité avec ce beau Jupiter. C'est dit. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ben, j'ai toujours les planètes en poisson, elles sont lentes, hein, c'est un peu redondant, je sais, mais bon, comment faire? Je ne peux pas les pousser, puis on ne peut rien y faire. Hein. J'ai toujours Saturne, qui est lui à 7 degrés des poissons rétrogrades, donc Saturne. Sagesse, me direz-vous. Mais allez, on va l'aborder, Saturne. Saturne, il veut du bien. Saturne, c'est la sagesse. C'est la sagesse, c'est le recul, c'est le temps, c'est Chronos. Mais lorsqu'il est heureux, je vais vous le faire dans les deux sens cette semaine. Lorsqu'il est heureux, il apporte structure, sérieux, fiabilité, endurance. Pas mal. En revanche, lorsqu'il est en espace. Alors, pour qui est-ce qu'il est positif? Il est positif globalement pour mes poissons, même si vous fatiguez, il vous permet de faire de l'élagage. Très bon en revanche pour mes autres signes d'eau, hein, mes scorpions, mes cancers, mes capricornes, mes taureaux, toujours 60-120 degrés, bienveillant, protecteur. Et en revanche, il va en fatiguer trois d'entre nous. Comme il est premier décan des poissons, il va me fatiguer mes premiers décans vierges parce qu'il est en opposition. Mes premiers décans vierges, vous êtes claqués, enfin c'est normal. Levez le pied, hein, arrêtez les contraintes, les charges, le boulot, faut débrancher. Hein, mes vierges, c'est un peu ce que vous avez à vivre en ce moment. Ne pas vous acharner, ne pas charger la mule, surtout pas. Hein. Il y a des petits temps de retard, d'attente, c'est normal. Premier décan sagittaire, même dynamique. L'énergie que vous avez en ce moment, elle est dépensée, dépensée, dépensée avec des résultats qui sont peut-être un peu nuancés. Premier décan, c'est un peu de fatigue à passer. Hein. Et puis premier décan Gémeaux aussi. Pourquoi? Saturne, début poisson, forme une opposition, donc fatigue avec mes débuts vierges, un carré avec mes débuts sagittaires, un carré avec mes débuts Gémeaux. Carré opposition, même combat, avec des petites variables. Hein. Opposition, c'est plus les éléments extérieurs, carré, c'est plus une tension ouverte. C'est subtil. Ouais, pas bien grave, mais dans tous les cas, sachez que vous trois, si vous êtes claqué, c'est dans l'ordre des choses, mais de façon tout à fait momentanée. En plus, comme il est rétrograde, son influence elle est un peu réduite, donc on a un temps mort là pour que ça aille beaucoup mieux pendant au moins tout l'été. C'est dit. Et puis Neptune, l'intuition, l'inspiration, toujours très bon, hein, très bon pour, on le sait, les mêmes, mes poissons, mes cancers, mes scorpions, mes taureaux, mes capricornes, voilà, pour vous c'est très bon. Et puis voilà, c'était tout. Puis c'est Pluton, ben, je ne vais pas en parler toutes les semaines, il est rétrograde, on m'a posé la question, il est retourné un tout petit peu en Capricorne, pour me clôturer les angoisses sur le Capricorne. Déjà, sachez que lors de ses passages, là, depuis 2008, il a fait des dégâts, il a remis en question, il a ratiboisé tout ce qui devait l'être, il a remis les compteurs à zéro dans plein de domaines, il est reparti, rasé tout ce qui n'était pas solidement arrimé. Il revient un tout petit peu à la fin du Capricorne. Donc, qu'est-ce que ça induit? Le dernier passage de Pluton, à l'image de la graine qui, je vous l'ai raconté 10 fois, Pluton, la mort pour renaître, son dernier passage, là c'est vraiment le dernier passage, c'est l'impulsion où on redémarre, où on recrée de la vie, où on réoriente, où le fruit est mort, la nouvelle vie émerge. Hein, donc plus que jamais, tous ceux qui sont concernés par Pluton, quelle que soit la couleur de l'aspect, et tous ceux qui sont concernés par Pluton, ça va être mes troisièmes décans, attention. Capricorne, Vierge, Taureau, alors vous, c'est que du bonheur parce que c'est un trigone. Troisième décan, Scorpion et Poisson, que du bonheur parce que c'est un sextile. Et ceux qui auraient pu avoir plus de soucis, mais qui doivent bénéficier en ce moment de l'influence, qui est la dernière influence transformatrice, c'est mes troisième décan, Cancer. Capricorne, c'est mitigé, mais globalement, c'est positif. Troisième décan, Balance. Troisième décan, Bélier. Hein. Là, j'ai fait le tour. Il n'y en a que quatre qui ne sont pas concernés par Pluton. C'est les Verseaux pour l'instant, mes Sagittaires pour l'instant. Et puis en face, j'ai quoi?
J'ai mes Gémeaux et puis mes Lions. Hein, voilà, pour l'instant, là, jusqu'en fin d'année, Pluton, il vous parle même pas du tout. Il n'est point présent dans le champ de vos préoccupations. Voilà, c'est dit, je voulais vous faire ce petit tour-là. Le petit exercice, j'ai failli l'oublier. Voilà ce que je vous propose. Petit exercice. Allez, on se fait ça. Cette semaine, j'ai été un peu insistant sur le sujet de Mercure. Il est particulièrement puissant dans le ciel, donc son influence sur le collectif doit s'en ressentir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le contexte dans lequel vous vivez s'y prête, choisissez pas 50, mais une situation qui nécessite d'être clarifiée. Quelqu'un à qui vous tenez, quelqu'un avec qui vous avez envie de vous rabibocher, une situation qui peut être restée un peu dans une zone de flou, une sorte de non-dit. Hein. On s'est peut-être parfois quitté sur un quiproquo, un malentendu, un peu vite, on n'a pas terminé ce qu'on avait à dire à quelqu'un, etc. Eh bien, avec un Mercure aussi efficace, choisissez bien le moment, le ton, comment vous allez vous y prendre, comment on va rentrer dans l'oreille de l'autre, comment on fait pour présenter ses arguments, quitte à prendre des notes pour avoir un échange plus fluide, pour rien oublier. Mais pour moi, c'est une semaine durant laquelle Mercure est tellement bien disposé dans le ciel que si vous vous y prenez bien, les messages qui n'étaient pas passés depuis des lustres, là on a une petite fenêtre de tir pour que ça avance. Eh, mérite qu'on essaie quand même, hein. Voilà, je voulais vous dire ça. Merci pour vos gentils messages, vos gentils commentaires. Moi, j'aime beaucoup, vous me faites sourire souvent, ça me fait faites une joie, quoi. Je vous le dis, hein, tout simplement, vos abonnements. Et puis la semaine prochaine, merci encore.